les dialogues des vieux fourneaux. Alors évidemment, d'après la bande dessinée, c'est quand même, ça doit être assez jubilatoire parce qu'on pense à, je sais pas, moi j'ai pensé à Boudard, à Audiard. Oui, jubilatoire pour un acteur, c'est sûr. Moi, le cinéma, une des rares choses quand même qui était dommage après la Nouvelle Vague, qui a aussi apporté des choses intéressantes, évidemment, mais c'était quand même d'avoir mis de côté comme ça tous ces grands dialoguistes qui étaient au service des grands acteurs. Et en tant que spectateur, j'enviais Jouvet, Gabin, Blier, qui avaient des choses aussi drôles à dire, aussi savoureuses à dire. Et voilà que nous, on a retrouvé un peu ce style de cinéma où le verbe est agréable à balancer, d'autant plus qu'il balance justement avec méchanceté ou en tout cas ironie et que c'est agréable à faire.